ACD, gratuitement. Matériel de cabinet médical, patientèle diversifiée de 2000 personnes. À 68 ans, Michel Gourceau aimerait enfin partir à la retraite. Depuis 3 ans, elle cherche un repreneur à travers des sites spécialisés sans résultat. Elle se tourne maintenant vers Le Bon Coin. J'en avais assez d'avoir aucune réponse. Et je me suis dit, d'ailleurs j'en ai discuté avec des patients qui m'ont dit « Oh ben nous on a mis notre maison sur Bon Coin, vous savez, c'est parti très vite. » Ah bon ? Ben, j'ai dit ben, « Tiens, pourquoi pas je mettrais le cabinet médical ? Je n'ai l'intention d'emmener rien de tout ce qui est dans ce cabinet. Qu'est-ce que vous voulez que j'emporte ça ? J'en ai chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'emporte ma table gynéco ? J'en ai rien à faire chez moi. » Un mois et demi après, toujours aucune réponse, les patients sont inquiets. On recherche un autre docteur. Et c'est dur ici d'en trouver parce qu'il y en a qui s'en vont à la retraite aussi. Et ils sont déjà complets. L'après-midi, c'est en voiture que le docteur Gourceau continue sa journée. Elle visite ses patients dans un rayon de 12 km. C'est des patients anciens, et puis parce que moi j'aime les visites, de toute façon. Ça me déplaît pas hein, de faire 4 visites par jour, ça me déplaît pas, hein, ça me permet de souffler, de sortir de l'ambiance du cabinet, quoi. Des personnes âgées ou isolées, pour qui ces rendez-vous à domicile sont essentiels. C'est plutôt pour les personnes âgées qu'il faut que ça soit un médecin qui puisse se déplacer. Parce qu'il y en a qui ne veulent plus se déplacer. Puis ici, nous, en campagne, on est retirés, alors on ne peut pas les prendre qui viennent trop loin non plus. Un médecin de moins sur la commune, la maire se sent démunie et alerte les pouvoirs publics. On nous annonce que le numerus clausus va permettre de résorber cette crise sanitaire profonde en France d'ici 2025. Donc, mais comment on fait de 2018 à 2025? On a 7 ans, comment on va faire? Après 44 ans d'exercice, le docteur Gourceau prendra bien sa retraite le 31 mars. D'ici là, elle espère que quelqu'un répondra à son annonce.